Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. On tente de rentrer sans mourir. On va réussir à rentrer. Bon. Merde! Comment allez-vous tout le monde? Coucou! Ça va? Ça va, Katox? Est mort. Elle est où la grande roue? J'ai vu le tableau de bord approcher à très grande vitesse. C'est normal? C'est normal. Mais elle est juste derrière la pompe à essence. Ouais, c'est bon, mais j'ai regardé ma map en même temps que je conduisais. On devrait peut-être aller voir ce qu'il y a là-dedans, là, non? Vite fait. Garde-toi là, comme ça je le dépose. Ouais. À deux, t'es serein? Je jette juste un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y a là-dedans. Vas-y, essaye de couvrir. Faut que je le dépose au pied des pompes à essence. Y'a un masque anti-poussière en cas de Covid. Y'a un zombie qui s'approche. Ouais, je sais, mais y'a plein. Tu te laisses me protéger, non? Ou l'inverse, je sors et je m'en occupe. On se casse. Parce que techniquement, là-dedans, il pourrait y avoir une masse. Non! J'ai mis 3 coups de pelle, j'arrive à rien faire, et là, bim, Slan il arrive et c'est la teuf quoi. Ah oui, d'accord, faut vraiment tout fouiller quoi. On cherche une masse vite fait. Tu prends rien, hein, juste regardes s'il y a une masse. Boîte de clous, peinture. Putain, la voiture qui se coupe alors qu'on roule, c'est quand même stressant. Hein. Il y a plein de plaques en métal. Bah oui, mais non, mais le moteur il commence à souffrir à force de rentrer dans les gens. Hein. Elle va s'arrêter d'un coup en plein milieu, je le sens arriver. Là, il y a plein de tuyaux et de plaques de métal ici, hein, c'est bon à souvenir. Ouais, j'en prends quelques-unes pour pouvoir réparer un peu. Oh, on a déjà ce qu'il faut en chalumeau, je crois. On a un. Oh, je suis trop plein. Peut-être deux, je sais pas. Pied de biche. C'est quoi par terre, là? Alors, on va falloir qu'on travail des métaux, voilà. Volume 2. On l'a, ça. J'ai pas fait ma liste de livres, je devrais la faire. J'ai récupéré des bouquins, mais j'ai pas regardé. Maillet en bois, non. C'est pas du maillet en bois qu'on cherche. Non, 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 pas du tout. Non, bah écoute, j'ai pas trouvé. Allez. On s'en va. Il va devoir tourner l'étage peut-être, non? Ouais, c'est ça. L'étage, tu vas... Non, c'est à l'étage, c'est juste... Ouais, c'est du vieux bureau à la con. Là. Ça permet de boire, ceci dit. Déjà ça, comme ça je vais mourir de faim et pas de soif. Allez, on s'arrache. Ouais. On a le temps de rentrer encore, je suis sûr. Y'a pas l'air d'avoir de zombies qui sont venus dans le coin. Je vais me fumer une petite cigarette, tiens. Allez, Titine! Merde, putain! On va essayer d'éviter les zombies. Hop, prends la route, tant pis, on marche un peu sur l'herbe. C'est bon, elle démarre encore, Katox! Ouais, oh ouais, ça tient. Par contre, j'ai plus de marche arrière, je crois. Ah! Ah si. Mais qu'est-ce qu'il faut à ma voiture? Oh non! T'as vu, hein? Dès que je fais une marche arrière, elle s'arrête. Ah ouais, putain, dès que je fais une marche arrière, elle s'arrête. Oh oh, le moteur vient de passer rouge! Oh putain, c'est bon, elle démarre! Ah non, elle démarre pas! Allez, c'est ton dernier voyage, Titine. Tu peux le faire. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma voiture? Elle est en PLS, la bagnole. J'avais fait le plein en plus, quoi. Allez, saleté. Ah putain. Je suis désolé, mais je sais pas si elle va aller plus loin. Ouais, il y a du monde ici. Hop là, on contourne du teuf. Ouais, c'est mieux parce que la raison pour laquelle la bagnole est en PLS, c'est un peu parce qu'on a roulé sur plein de zombies. Ça va, il y a 2-3 zombies ici. Je viens aussi de rentrer dans une bagnole, hein. Ça aide pas. Ah oui. Oui, mais normalement, ça affecte pas le moteur. Bah écoute, Kata, je crois que ça va être long pour en faire. Bon bah, je vais charger un peu ce qui traîne à l'arrière et puis on va y aller. Hein. Vous êtes morts sur la route, c'est ça? Ils sont pas morts. Ils sont à pied. Le moteur, quoi. Ouais? Oula putain, c'est quoi ce tas de zombies? Ah oui, c'est là qu'on s'est arrêté. Bah, il reviendra vous chercher! Ouais, le moteur est à 0%, ça doit être pour ça, non? Il reviendra vous chercher, le seul détail, c'est que c'est la bagnole qu'on a là, c'est une deux places, donc il pourra en prendre qu'un. C'est ça. Bah, je pourrais sortir la camionnette pour l'occasion. Bah, déjà, on pourra vous vider. Elle a pas de coffre, mais. Ah bah, voilà. Fais gaffe, Katox, y'a des zombies. Faut qu'on tourne là, non? Ouais, oui, faut qu'on tourne. J'imagine que t'es plein donc. Ah, bah, je suis fou là.
pas être très utile. Mais je suis mon personnage est un temps un petit peu pas très bon, très bonne forme. Droite. J'ai hésité. Après, vu la capacité à conduire du cygne, moi je ne resterais pas au milieu de la route. Non, ah ouais, pour l'instant, j'ai pas été bien mieux sur ce coup-là, hein, cela dit. Gauche, là, on c'est à côté, là, non? Par contre. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est à côté, là, non? On est juste ouais, à côté. On est pas loin. C'est pas là, non, ouais. C'est là. C'était là, c'était là, c'était là. Quoi? C'était là. Mais on les a toujours pas vus. Top. Mais non, mais on rentre, nous, on s'occupe pas d'eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a un coffre plein, on est chargé à bloc. Vous avez, on a pas de place. Bagnole, vous avez trouvé notre bagnole, hein. Non, on vous a pas croisé. C'est ça qui me fait peur, c'est que si ils sont tombés en panne sur cette petite route là, ça va être un petit peu tendu. Bien pensé à toi, on l'a mis bien de travers, perpendiculaire à la route. Ouais, il y a d'abord une voiture, et on est juste après. Non mais nous on est rentrés, nous on est arrivés. Ah, on n'est pas passé du même côté alors, tout va bien. On a perdu la voiture. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bien, tu les retrouveras. Non, on l'a pas perdu. Vous avez perdu ma voiture. Non mais nous on sait où elle est. Non, on sait où elle est, c'est juste qu'elle fonctionne plus. Voilà, c'est ça, et le moteur est à zéro. Le mec, tout je suis pas sûr que ce soit par là. Ouais, je suis pas sûr non plus. Ouais. Non, là c'était pas par là. Bah, si, stop. Tu peux tourner à gauche et rouler sur l'herbe si t'as envie. Allez. Ouais, c'est ce que j'attendais. J'attendais de passer la petite ligne d'arbre. Ouais. Et je crois que nous aussi, elle commence à galérer un peu. Non, c'est normal, là t'es sur l'herbe. Ah non, mais même avant sur l'herbe là, on chie là. Est-ce qu'on rangeait encore les armes à feu? Et là, y'a plus de place dedans, faudrait ramener un autre. Tu laisses m'ouvrir, Slan? Ça marche. Normalement, c'est là, mais. Place dans les armes à feu, ah ouais, n'a plus de place. Attention, je rentre avec le minivan, hein. Pas si vous êtes dedans. Non. Putain, oui, j'ai mais faim! Voilà, c'est bon. Hop. Je vais m'occuper de décharger, tu prends tout de suite l'autre véhicule et tu les rejoins? Non, mais c'est bon, là. Ah, vous êtes là? Je vais aller chercher le véhicule, je vais y aller. Je vais m'occuper de faire à bouffer. Bon, dans les toilettes des dames, dans les toilettes des dames, je dépose tous les flingues sous l'évier parce que c'est trop lourd pour mon dos. Alors, voilà. Moi, je mange une orange là, puis un pamplemousse. Sangle de munitions, voilà. Double putain, holster, tout est pourri. Voilà. Sac d'aubergine, sac de carottes, sac de maïs, sac de pêche. Là. Tout a pourri. Pourtant, il a toujours frais. Fallait comment peut-être ça peut l'ouvrir? Pourquoi ça pourrit? Fallait peut-être les ouvrir. Bah ouais, comment ça peut pourrir dans le... Faut peut-être les ouvrir. C'est dans chiant ça. Bah ça a pourri dans le frigo. En même temps, dans un frigo, si c'est pas congelé, ça pourrit. Il faut les mettre dans le congélateur en fait. Bah oui, au bout d'un moment tout pourrit, hein, ça c'est clair. En fait, faut les mettre dans le congélateur. Ouais, c'est chaud là. Bah non, c'est logique. C'est juste qu'on est des gros couillons. Personne a trouvé du sel. Mais non. Bon, bah je vais m'occuper de vider et de mettre au congélateur un maximum de fruits et légumes. Il faut blinder. En fait, ce qu'il nous faut, c'est pas des frigos, hein, c'est des congélateurs. Non, parce que je remarque, c'est que les champignons vénéneux, ils pourrissent pas. Super. Et ça a pas la même vitesse de pourrition. Alors, on peut mettre des tomates, de l'huile végétale. Allez, une petite huile végétale. Hop. Donc, j'ai sorti tout ce qui était pourri. Au congélateur, voilà. Là, c'est congelé. Dans le congélateur. Dans le congélateur, c'est bon. Quel merdier. Alors maintenant on va ouvrir le sac, tout. Les poser le groupe électrogène. Parce que... Où est-ce que je te dépose tout ce qui est pourri? Katax? Aucune idée. Aucune idée. Te fais un tas de trucs pourris par terre dehors? Je sais pas, il y a peut-être un truc pour faire un compost, mais je sais pas comment on fait. Bah dans ce cas-là, je te mets ça à l'entrée, là. Tu fais un tas de trucs pourris. Ah, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim? Oui! J'ai beaucoup toi, faim. Ça, je me doute, ça compte mais... comme beaucoup de gens, non? C'est logique.
Alors les sacs vides par contre, je vais les déposer là avec les graines de brocoli. Ah oh, putain, les congélateurs ils sont pleins. Tout ça c'est ce que j'ai besoin. Ah oui tiens non, je vais vider mon sac. Hop. Ça c'est cru, ça on s'en fout, c'est pas périssable. Ça non plus. Hop. Hop. Bon, je sors tout du véhicule et je le pose en tas à côté, de façon à ce qu'on puisse repartir rapidement si besoin. Et en plus, faire un gros tas avec tout, ça permet de d'arriver plus vite. Voilà. Là, j'ai plus faim, j'ai mangé 2-3 légumes, ça allait. Je suis juste déprimé. C'est bientôt prêt. De toute façon, j'aurai bientôt faim, t'inquiète. Ah, je me doute. On va juste garder mon petit tablier là. Ok. On en mange un peu. Bon, on n'a pas ramené beaucoup de four. Et en fait, ce qu'il nous faut, c'est pas des frigos, c'est des congélos. Donc, faudrait trouver un glacier ou un truc comme ça. Tiens, je t'ai déposé de la bouffe dans le micro-ondes, si tu veux, Slan. Merci. Par contre, je commence à vraiment mourir, moi. T'inquiète. Ça fait chier si jamais j'ai vraiment été infecté sans m'en rendre compte. J'ai rebouffé la plante que tu m'avais donnée, là, mais... T'as bien fait, ça va te soigner. C'est ça qui va mourir d'empoisonnement. Ça baisse plus vite. Et qu'est-ce que t'as fait ? C'était un champignon rouge avec des petites taches blanches. C'est pas celle-là que j'avais dit. Prends pas celle d'à côté. C'est bien, j'ai rangé sur la même étagère les champignons vénéneux et les plantes médicinales. Moi je dis... C'est malin. Ça passe. Pour la peine, je prends des antidépresseurs. Ouais, ça c'est une bonne idée. J'ai pas trouvé que ça fasse beaucoup d'effet. Non, j'ai pas l'impression non plus. Ouais. Moi je suis en grosse dépression, mais depuis... Ouais, pareil. Ouais, commence à s'ennuyer, mélancolique et légère douleur. Faut dire, moi, je suis toujours mordu, hein, donc... Je me suis fait gratigner 2 fois, fatalement ça pique un peu. Moi je suis passé mi-life. Ça va. C'est que tu vas atteindre le point où tu vas commencer à guérir. L'important c'est de dire qu'il te reste encore la moitié quoi. Mais franchement Slan quoi. Ça y est, j'ai déjà faim. Il est médecin hein. Bah tu l'as bouffé mon sauté ou pas? Non, pas encore, j'arrive. Bah j'attendais d'avoir faim. C'est-à-dire 15 secondes. Si je meurs, je reviens sans la faim là. C'est impossible à gérer. Ah mais est-ce que t'avais vraiment pris un truc pour avoir faim? Ah bah moi j'ai tout le temps faim, oui. Ah la vache, ouais bah... C'est marqué dessus, hein. Moi si je meurs, je reviens sans le truc pour... Bon, qui vient avec moi pour chercher le camion, enfin la voiture, enfin ce qu'il y a dedans. Attends, j'arrive. J'ai déjà presque vidé la banquette arrière. Je vais fermer le... Ah bah oui, mais t'es déjà là-bas, Katox. Non, quand je suis parti, j'avais déjà vidé presque la banquette arrière. D'accord. Attends, bouge pas. Moi je vais manger. Y'a plein de choses dans votre boîte à gants. Je pense que c'est... C'est exactement moi qu'il faut parce que je peux rien porter donc. Parfait, très bon choix. C'est ouais, vrai que c'est. Putain, il est. Ah, mais t'avais déjà mangé la moitié de ta poêlée. Il est pas rapide dans le camion. Chaque fois il me fait le attention, coup. Hein, attention, tu me le pètes pas celui-là. Hein. D'accord. J'essaye. Hein. Alors voyons ce qu'il y a dans ce congélateur. Mais par où vous êtes arrivé quoi? Conserve, là, conserve. Non, dans le congélateur ils ont mis des conserves. Et la voiture est un tout petit peu, elle est là, voilà. Donc comme disait Katox, garer en perpendiculaire par rapport à la route, hein, n'est-ce pas? Putain, c'est pourri, c'est encore plein de sacs pourris, tout prendre. T'as dit que tu faisais le rangement, hein. Ah bah là j'y vais là, parce que... Oui mais y a 12 frigos à ranger. Hein. Enfin je fais pas le rangement, hein, j'ai laissé tout en bazar. Par contre je m'occupe des frigos là, de remettre le maximum de trucs dans les congélateurs. Ah, il a raison, Katox, il restait pas tant que ça finalement. Dans le coffre, y avait rien? Bah non. Dans la boîte à gants, y a masse de soudure, si je me rappelle bien.
Ouais, c'est ça. Bon, bravo, bonne mémoire. Voilà, tu veux rien récupérer sur la bagnole pour la désosser tant que t'y es, non? Mais comment ça? Faut la réparer. Il peut la remettre en état. Le moteur, il est à zéro. T'as des pièces à réparer le moteur? Ouais. Non, j'ai pas de pièces pour réparer le moteur. Faut être beaucoup plus fort en mécanique que... Et en plus de ça, elle a pas de silencieux, alors j'ai envie de dire que... Autant l'abandonner, quoi. Allez, bah, ça aurait été bien si on pouvait l'abandonner, pas au milieu du chemin, mais... Tant pis, alors, avec. Pour être honnête, je peux encore la démarrer. Garde la clé, on sait jamais. Tu pourras peut-être en démarrer une autre. Regarde. Voilà, c'est bon, elle est plus au milieu de la route. Nickel. Bah attends, je vais jeter un œil vite fait quand même. Il y a des zombies, fais gaffe, hein, un peu plus haut, mais ça va aller. Hein. Je vais jeter un œil vite fait à la mécanique, mais normalement... Pour réparer, déjà, il faut des pièces de moteur, ce qui est pas évident. Et Ah ouais, la vache, le pare-brise, il est pété, le capot, il est pété, le moteur à 0%. C'est dingue. Ouais, non, je pense qu'il vaut mieux l'abandonner. Mais c'est dingue qu'on trouve pas d'autres bagnoles. Bah, je pense surtout qu'il faut arrêter de faire conduire Damned. Oui, c'est vrai que sur cette partie-là, j'ai pas été très bon. Il a pas été très bon. Non, ça va. Non, mais globalement, ça va, mais... Globalement. Après, on n'a pas cherché des voitures non plus. Hein. Ça se trouve... On pourrait en trouver, quoi. C'est un shérif, lui? Ouais, bah, écrase-le pas. Non, mais ça suffit. Il faut Arrête pas. D'abîmer mon camion. Bah ouais, mais c'est un shérif, ça se trouve, on aurait fouillé, on aurait trouvé des trucs. Mais comment on va aller chercher des bagnoles si on en a pas d'autres? On va y aller à pied. Oui. Arrête de tout casser. Ah, pardon, c'est un zombie, ça. Ça, c'est une voiture. Ah oui, ça c'est bon, j'avais vu la voiture. Ça t'a pas empêché de rentrer dedans, là, la flotte. Il y a un poteau devant, là. Ah, d'accord, oui. J'avoue que je suis pas très en forme. En même temps, je suis barbouillé, donc je joue RP, quoi. Mon perso est barbouillé, il conduit pas aussi bien que quand il l'était pas. Mais pourquoi il prend le volant? Prends une bière, au moins. Allez, arrête-toi. Tu me dis quand c'est bon, je descends. Vas-y, je te laisse même le rentrer, si tu veux. Avec une bonne bière, ça irait déjà beaucoup mieux. Voilà. Ah, ballon de foot. Alors, je suis celui qui fait les rangements. Par contre, comme j'ai le rangement lent, là, je dors un peu de mon truc. Hein. Bah, c'est bien. Allez voir la vue du signe. Hein. À ce moment-là, allez voir la vue du signe. Dans le frigo de droite, on va mettre la bière, les canettes, le vin blanc. Alors le frigo, ouais, tu peux remplir. Ouais. Donc là, je peux plus mettre de sac. Dans celui-ci, on y va. Dans ce congélo. Oh, il est vide ce congélo. Le capot est à 0%, mais le moteur à 49%, ça va. Ça va. Mais le capot est pété aussi. Hein. Tu m'as achevé mon capot, quoi. T'abuses. Oh. N'a rien d'étonnant. Tu mens. Je suis en train de mourir à cause des sacs que je transporte, hein, c'est fou. J'étais remonté full vie, rien qu'à faire le transfert des sacs, je suis presque midlife. Tu dis ça parce que t'es énervé. Pendant que vous êtes en train de muter en zombie, moi je vais mourir de port de sacs de pêche pourrie. T'as dit, ouais, hein, j'ai l'icône en haut à gauche de mon cœur qui arrête pas de faire gauche-droite. En haut à droite, ça me dit que j'ai une légère douleur. Mais arrête de te stresser pour un truc qui va guérir dans genre 2-3 jours. Et effectivement, mon personnage est soucieux. Ah oui, bah moi, t'inquiète, après tu vas passer à barbouiller, après tu seras nauséeux, après tu seras malade et... Je suis déjà barbouillé. Y a pas d'après, t'inquiète. Bah moi j'ai un après. En tout cas. C'est quoi ce bruit? Quelqu'un qui dégueule. Moi qui ouvre la porte. Ah. Ah, dis donc, tu pourrais l'ouvrir plus délicatement. Non. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à vider critiques là? Tiens, des plaques de métal, je pourrais réparer le capot avec ça. Hop là. Bon, et il y a un réfrigérateur industriel si vous voulez dans le coffre là. Faut que je vienne le placer. S'il y a moyen. Je vais essayer de réparer le capot du camion avant de mourir. Allez, jusqu'à 25%. Voilà, on a un capot à 25%. Ça valait le coup de ramener une plaque de métal. Alors, il est où? C'est un bandage que t'as sur la tête, Katox? Ouais. Putain, on est tout mal. Canette de pierre. Là-dedans, y'a rien. Ok. Hop, voilà. Donc les bêtes toxiques, bouteille remplie d'eau, champignons vénéneux, on s'en fout, la consoude, tiens. Le sac de... Voilà, tiens, c'est tout pourri tout ça. À nouveau plein de sacs pourris.
Ah, c'est dommage, on avait trouvé plein de bouffe et ça a pourri, quoi. Oui, mais je suis en train de tout mettre dans le congélo. Il y en a presque la moitié qu'on va pouvoir récupérer, hein, quand même. Ouais, mais t'as vu, j'ai l'impression que ça pourrit pas quand, quand c'est ouvert, en fait. Parce que il y a des trucs qui sont dans le four, je cuisine avec, là. Dans le frigo, que je cuisine avec depuis des plombs, et ça a pas pourri. Mais non, ça pourrit. C'est que les sacs, ils sont restés à l'extérieur avant, pendant longtemps. Ah ouais, oui, c'est vrai que t'as pas tort. Quand on est arrivé, il y avait déjà la moitié qui était pourrie, donc tous les autres ils étaient sur le point de pourrir. Donc on a dû se faire des orgies de macédoine de fruits. Claire. Ouais, il y a à peu près la moitié là qu'on va pouvoir sauver, je pense. Hein. Il y a déjà et 3 figos qui sont vides là. On va pouvoir se faire une fondue, on a du vin blanc. Il manque l'appareil à raclette. Et le fromage. Et le fromage. Il y en avait du fromage, je crois, je l'ai pas mangé. Ouais, mais Katox il l'a mangé. Bah, il a bien fait, du coup. Bah oui. Il faut manger. Alors, sac de pommes de terre frais, hop. Merde, je suis déshydraté. La bonne nouvelle, c'est que du coup, on a suffisamment de place dans les congélos pour mettre à peu près toute la bouffe. Alors, la mauvaise. Est-ce que t'avais été mordu, le cygne ? Ben, pour moi, non, mais j'ai dû rater, mais j'avais dû être mordu, mais. Je viens pour de moi, vérifier, en fait, à partir du moment... Ils ont changé quelque chose, là, dans les dernières mises à jour. À partir du moment où t'es mordu, tu as 100% de chance de devenir zombie. Ah. Ouais, mais voilà. C'est pas pour tout le monde. Bah, non, ouais, mais est-ce que quand t'es malade, c'est que t'as forcément été mordu, c'est ça la question? Non, pas est-ce du que tout. Tu peux être malade autrement? Non, toi, tu peux être malade autrement, par contre. Toi, t'as été malade d'avoir été sous la pluie, c'est tout. Par contre, dans mon cas... Ouais, mais guéris pas, quoi. Dans ton cas où t'as été mordu deux fois, t'as 200% de chance. Mais c'est qu'un pourcentage de chance, hein, ça. Tu peux toujours faire un réussite critique. Bah, griffure, 7% de risque d'infection. Lacération, 25% de risque d'être infecté. Morsure, 100% de risque d'être infecté. Ouais, mais faut pas calculer comme ça. Oh, c'est positif dans la vie. ouais, bah bon, c'est quand même... C'est les devs qui le disent, hein. Ouais, mais les devs, ils ont pas toujours raison. À partir du moment où t'as augmentation de la douleur, que tu deviens malade et que ton stress augmente, c'est que c'est mauvais signe. Et j'ai les quand... trois. Ça, c'est quand t'as pas de cigarette. Ouais, pareil. Hein. J'ai les trois, ouais. Bah voilà. Donc on sait ce qui va nous arriver. Non, c'est pas je suis déçu, j'avais bien monté mon XP et tout, quoi. Mais non, mais... Bon, Damned, j'avoue un peu, mais les autres, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis passé à blessure très sévère, là. Hein. C'est normal, c'est parce que t'as faim. Limite, si t'as un doute, va te foutre à poil tout ton stuff ailleurs. Ah, c'est-à-dire que quand t'auras plus de points de vie du tout, de toute façon, ça sert à rien que tu meurs devant nous. Hein. Ça va faire un cadavre à transporter. Bah, écoute, je vais pas surveiller, donc... Ça, c'est le micro-ondes, c'est pas là-dedans que je veux mettre les trucs, c'est là-dedans. C'est galère. Bon, en même temps, c'est logique hein, aussi que tu morsures égale infection. Mais non. On connaît. Hein. Sortir la javel. Avant, t'avais un tout petit pourcentage de chance de t'en tirer. Ouais. C'était pas non, on boit pas la javel. Avant, c'était 80%. Ouais. On boit pas la javel. maintenant, c'est 100. Non, mais je voulais la ranger, mais je peux pas la ranger en fait. Gâche pas la javel. Gâche pas la javel, attends. Attends, je crois que j'en ai ramené 8 trucs. Si tu veux en finir avec la vie, tu me le dis, un coup de pelle. Mais va pas tout gâcher, ouais. Ça abîmerait la pelle, mais bon, on en a plusieurs à la limite. Donc... Okay. Au pire, j'ai un pieu. Ça, c'est pas mal. Dis, avant de mourir, tu voudrais pas nous préparer plein de bouffe? Bah, ouais. Je vais m'absenter 2 secondes. Si vous voulez bien me couvrir, je reviens. J'allais faire la même. A plus tout le monde, je reviens dans 2 secondes. Et bah pareil du coup, je me pose. Est-ce que c'est celle-là, il m'énerve alors je crie. C'est super. Là, de retour aussi. Bon, bah moi il y avait Shobiti qui était en train de tuer du tissu. Pas les chats qui tuaient l'autre. Mais... Ah. Vous êtes tous partis du coup? Bah moi je suis dehors, je fais un petit peu de recherche. Alors, est-ce qu'elle est roulante cette voiture là? Je crois qu'elle était... C'était dans un état de merde aussi. Il y a plus grand chose qui roule là, je t'avouerai. Ah si, le moteur est dans bon état. Faudra pas faire l'exposition bon véhicule quoi. Si j'allais dépioter l'autre, il y aurait peut-être moyen de la réparer. Peut-être. Mais bon.
pas dit. Bah, sortons en expédition véhicule. Non. Ouais, mais du coup, ça m'embête parce que si je suis censé crever. Ça peut s'arranger. Ah non, c'est Damned. Je suis confondu. Ouais, oh, tu sais, je vais crever aussi. Parfait. Eh mais ce qui m'embête, c'est ça, c'est que j'ai absolument pas souvenir d'avoir été mordu. Du coup, je comprends pas trop. Mais t'as une chance d'être infecté par des griffures et autres. Hein. Oui, aussi. Ah, bah hein. C'est peut-être ça, ouais, j'ai dû être égratigné à un moment. Et... Mais trouvez-vous un petit endroit où vous droppez tout ce que vous avez, comme ça vous reprenez tout. Donc c'est ce que je vais faire, moi. Ils ont encore une chance de survivre. Mais non. Bon, ça dépend, à partir du moment. Par ce moment, ils auront une pelle à travers le cerveau, ils auront moins de chances de survie. Bah ouais, à partir du moment où, je suis passé malade et que ça continue, je me dis que bon... Où est-ce que t'es ? Pour l'instant, je vide mes affaires. Là. Voilà. Est-ce que j'ai des clés ça de manière douce. Écoute, au pire, tu me tues. Si je me relève pas, c'est que j'aurais pu survivre, hein, puis on saura. Ah, c'est con. Il se transforme pas, il meurt, il se transforme pas en zombie. Ouais, comme je suis rapide, mine de rien. T'es mort, toi, zombie ? Mmh. Alors, attends, il faut fermer la minimap. Parce que c'est planqué derrière. Fais ça vite. Je te préparerai un bon petit plat. C'est dégueu. Je te promets qu'il va pas se relever. Pour l'instant, tu ne te relèves pas. Hein. Ah si. Ouais, voilà. J'étais bien zombifié. La tristesse. La tristesse. En bon, tout cas, c'est... On a dit que... c'est pas moi qui t'avais mordu. Est-ce qu'on s'arrête là, comme ça t'as le temps de jeter un petit coup d'œil ? Ne t'en fais pas, t'es décédé instantanément à la suite d'une douloureuse agonie. Mmh. Ah, tu veux qu'on s'arrête là, comme ça t'as le temps de jeter un petit coup d'œil à ton personnage ? Tu voulais enlever écoute, le truc des rangements ? Bah, t'aurais tout le temps. Là. Ouais, bah je l'ai enlevé là, ouais, justement. Mais c'est bizarre parce que je peux pas mettre deux points quand même. Même en ayant enlevé, t'as dû changer un truc dans les settings du serveur. Et pourquoi tu voudrais mettre un point ? Ah non, mais parce que j'ai enlevé un truc, ça me fait moins 4 en moins. Donc il faut que tu rajoutes un malus. C'était pas un bonus, hein. C'était pas un bonus que t'as enlevé, hein. C'est moi qui ai du mal. Aïe aïe aïe. Bah, je comprends pas, j'ai enlevé mon malus et je peux pas reprendre un bonus à la place. Hein. C'est nul. Ça va, hein. Ça va, ça va. Des fois, j'ai un peu de mal. Hein. C'est tard le soir là. Il est 18h30. C'est complètement chaud. Tu viens juste de mourir, t'es barbouillé. C'est l'heure du chipot et au lit quoi. Allez, on va s'arrêter là. De toute façon, l'épisode a assez duré. Ouais, je regarde un petit coup une carte à noter que je viens de trouver et. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai pris des vitamines, je pense que je vais guérir. Voilà. Ah, tout va bien, t'as gâché les vitamines, merci. Bah, ça sert à rien, c'est pour pas dormir, on s'en fout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao tout le monde. A plus tout le monde. Salut.